toute autorité. Donc les amis, c'est parti. Magical Drop 3. Kekun, à moi. Jason, c'est parti, le check, là, voilà, si vous voulez. Après, moi, Konraika. Okay. Oui, le top 4. Oui, il est là, t'inquiète pas. Allez, c'est parti, les amis, ils ont fait le John Ken pour choisir le personnage, parce que d'habituellement, sur mon stream, on utilise ma roue cassée, mon... tout un setup pour tourner ma petite roue qui choisit son personnage. Donc Kekun, le ménestrel du HFS, face à Jason Popom qu'il a, les amis. Allez, c'est parti. Et on presse. Allez. Oui, je parle fort, je suis désolé, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Parti sur boule blanche. Allez, parti boule sur... Ah, il ramasse, il tient, boule bonus sur la bleue. Il engage directement sur la verte. Effacement facile, hein. Sur Empress, mais partie assez compliquée à gérer parce qu'elle est à Cresse sur le côté droit. Donc là, je crois que Kekun est côté, il est côté gauche, P1. P2, Kekun. Et c'est Jason qui apparemment me fait pression sur mes conseils d'utilisation des doubles chaînes. Parce que ça n'a pas l'air, hein. Magical Chrome est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Il a l'air accessible, mais en même temps compliqué à jouer. Telle profondeur de jeu, telle de... Oh, excellent. Mais directement, l'utilisation de ces doubles chaînes très efficaces. Le pattern compliqué à gérer. Et franchement, Jason, excellent là-dessus. Regardez bien. Donc, additionnel, les 3 plus 3. L'agression. Allez, effacé. Il faut rester concentré sur le côté droit. Je n'ai plus d'image. La régie, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis aveugle. J'attends. J'essaie d'observer de loin. Ah, c'est bon. C'est revenu. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, pour les phases finales, on a mis à effacement 200 boules avec 3 rounds. Attention, boule bonus sur jaune. Mal utilisé. Je sais pas ce qui s'est passé. Il va s'en vouloir. Ah non, c'est bon. Il est reparti sur le rouge. Ah, Jason, tu nous as fait une frayeur. Attention. Allez, Kekun, on se ressaisit. Les amis, on les encourage. C'est pas possible. Allez. Allez, Kekun, reste concentré, on est en FT2. Jason, il semble serein, mais reste concentré, cher ami, cher collègue, cher partenaire d'entraînement. Allez, on part sur le petit soleil, le petit sun. Pattern assez simple à gérer parce que c'est des blocs de couleurs. Donc là, pareil, il est conseillé de ne pas trop faire de chaîne pour éviter justement d'aider à alimenter les joueurs. Peut-on voir les joueurs, s'il vous plaît? Sur le chat, si on branche les voix. Allez, là, il faut essayer de maximiser l'optimisation. Quand on parle d'optimisation, c'est vraiment de rassembler le maximum de couleurs et d'effacer. Les effacements classiques qu'on faisait dans le temps des 3 plus 3, ça sert à rien. Au contraire, on aide l'adversaire. Voilà, là, il ramasse avec le fameux dash, déplacement rapide. Allez, Kekun. Il faut jouer un petit peu plus vite. Il faut vraiment maximiser. Attention, quota, avantage... pour Jason Popop qu'il a sur le quota au milieu de la grille de jeu où vous avez des chiffres, c'est le compteur de boules effacées. Attention, 50, 40, et ça pour ex-echo, ça joue, je trouve ça joue un petit peu bas, il faut chercher plus haut pour effacer le maximum à chaque fois. Allez, ça ralentit, ça baisse de vitesse, il faut nettoyer le terrain de jeu, Jason, et il s'est fait par écrasement, c'est dommage. Ça n'a pas l'air, mais il faut gérer toute une stratégie là-dedans. Hein. Il faut gérer la précision, la vitesse, l'anticipation. Attention, boule bonus, boost à arc-en-ciel, il choisit la couleur bleue. Il en laisse jouer ta bleue. Allez, Kekun. Il faut nettoyer, il faut dégager. T'as des boules de glace qui te gênent, mais c'est pas grave. Ça reste pareil, quota à peu près 100 pour tout le monde. Allez, il faut effacer tout ça sur la grille de jeu là. C'est pas possible, faut pas laisser ça. Voilà. Allez, un partout, Kekun. Reste concentré, cher ami. Allez, c'est parti, Jason. Te laisse pas faire. C'est le moment de briller, de montrer tout ton talent d'entraînement sur le Ballet Challenge. Excellent, c'est bien nettoyé. Il optimise, ça s'est optimisé. Il récupère beaucoup de boules. Attention, voilà, là c'est bien effacé sur la verte, il reprend sur le bleu, rouge, vert, excellent. Allez, Kekun,
petit léger avantage au quota pour Jason Pompom Killer. Bien effacé pour la chose, pour Jason. Allez, quel coup il faut effacer. Attention, ça va se finir au quota, ça sent. Finir au quota, c'est que l'un des joueurs finit à 0. Il aurait effacé. Non, ça va vite. Le Magica, ça va très vite. Là, on a mis 3 rondes. Regarde plus, il y a quelle heure. La régie veut se barrer. Là, ça va faire des. Oh là là, excellent. Il a terminé au quota. Reste concentré tous les deux. Allez, 2 rondes pour l'instant. J'ai envie de dire balle de match pour Jason. Attention, trop de chaînes. J'ai déjà dit les chaînes comme ça à la suite. Ce n'est pas assez optimisé parce que vous faites des combinaisons de 3 plus 3. C'est pas assez intelligent, j'ai envie de dire, façon de parler. Mais c'est normal, Jason, il s'entraîne souvent avec des gros joueurs. Allez, il faut nettoyer les terrains. Pour l'instant, Kekun mène au quota. Sans... Il va essayer de l'écraser, il va essayer, oui. Allez, 2 partout, il revient au score. Allez, balle de match toujours pour Jason. Est-ce que Kekun va essayer de revenir au score? Il y a une boule bonus qui traîne sur la droite. Est-ce que Jason l'a vu? Il faut peut-être la jouer. Descente, descente de la grille pour maximiser le maximum de boules. Excellent, il a rattrapé une deuxième. Pour essayer de jouer le coup suivant. Un petit avantage quota pour Jason. Voilà, là, ça fait des chaînes en face. Kekun qui fait le show. Il n'hésite pas. Allez, c'est bien ça, ça bouge bien. Attention, ne te fais pas écraser. Reste concentré. Oh là 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 là! Et un partout! Un partout, les amis! Excellent! Kekun qui revient. Allez, counter-pick! Counter-pick de Jason Popom qui l'a. Est-ce qu'il va prendre un petit pattern assez compliqué? Ah, il part sur la mort! Pattern vraiment assez compliqué, vraiment pour gérer. Je crois qu'elle agresse la forme du pattern. Je crois qu'il est à peu près au milieu. Avec des grilles de jeu de boules de couleurs et de glace assez compliqué à gérer. Allez, c'est parti. Là, normalement, des 2 plus. Il place pas bien ses boules de mage. Allez. Reste concentré. Allez, c'est parti. Le nettoyage. Un petit avantage quota pour Kekun. Allez, les amis, dans le public, il faut les encourager, s'il vous plaît. Allez, c'est bien effacé des 2 côtés. Le pattern de Empress, c'est sur le côté intérieur. Donc, il faut vraiment se concentrer pour les effacer. Donc, c'est vraiment chiant à gérer. Mais il y a des solutions, des effacements par effet escalier. Aïe, aïe, Jason. Jason, il faut sortir de là, il faut nettoyer, il faut faire que des chaînes pour t'en sortir. Allez, il faut sortir de là, chaîne sur chaîne, il faut pas lâcher pour remonter. Allez, 20 quotas pour Kekun. Attention. 8. Bien. Et un round pour Kekun pour ce dernier match entre eux. Hey, Oti, il y a Birdub. Birdub dans le chat. Un joueur américain, excellent joueur américain. Birdub, hi, how are you, my friend? Voyez. Un tournoi HFS est suivi aux États-Unis actuellement. Eh bien, ça fait plaisir. Salut, Oti. Allez, ça lâche pas des 2 côtés. Ils veulent vraiment tuer. Ils veulent aller dans cette finale, cette belle finale du HFS, les amis. Bien effacé pour Jason. Bien, ça. Excellent. Allez, c'est parti. Ils jouent au quota. Bien effacé, Kekun réagit. Il ne se laisse pas faire, il faut rester concentré. Attention, le pattern qui descend côté intérieur, je l'avais dit. Donc, il ne faut pas laisser traîner les boules de ce côté. Allez, Jason, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Voilà, il a pu trouver une solution pour nettoyer son terrain du jeu. Excellent. Birdub, it's my final. Bali, moi je. Birdub, I play after. Ok, my friend.
Oh là là, attention, Kaikun qui revient. Jason reste concentré. Allez, on les encourage, s'il vous plaît. Non, c'est pas terminable. Encore c'est FT2. Hein. Oui, je gueule fort, c'est normal. Et encore, je baisse le son. Hein. Voilà, excellent. Les amis, belle remontada de Kaikun, check. Excellent. Matt, tu peux confirmer le score, valider la victoire sur le Kaikun. Victoire Kaikun Jason. Non, non, franchement, c'est pourri. Hein. Bien joué. J'appelle Kaikun au micro, mon cher ami. Très bien joué. Je te passe la même parce que c'est à moi. Donc on a des amis américains. Hello, hello, my friend from America. Hello. Hello, my name is Kaikun. I'm the best in the world at Magical Dub 3. No, it's a joke. Bon alors, donc on est parti. Dans cette attendez, il faut l'arbre du tournoi. Désolé, hein. Alors, Magical Drop, donc c'était donc Bibi avec Jason Pop-Hum-Kill en loser. Attendez. Ok. Donc là, on va avoir Balier contre Raika. Balier, Raika, ça va faire le Junken. Alors voilà, donc vous voyez un Balier. Ok. Balier qui est... Il était déjà en train d'intimider hein, son adversaire en lui racontant comment faire un bon rougail saucisse. Voilà, plat typique hein, des gens qui habitent en Moselle, bien entendu. Donc là, ça va se tuer. Non, ça fait start. Voilà, donc Balier qui est côté deuxième player. Raika qui est côté un player. Ça va jouer World pour commencer. Alors World... ces patterns vont descendre sur le côté, surtout en principal. Ah ouais, direct, les gars ils pètent leur... What? Ils pètent leur diamant, ils s'en battent les couilles, ça rentabilise rien du tout et ça envoie la max tout de suite. Ça se bourre. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud côté Balier. C'est un peu rempli aussi côté Raika. Raika qui est P1, Balier qui est P2. Ah, attention. Qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, petit avantage à Balier au quota. Et tu vois, il y a sa culotte qui s'envole à World. Attention par contre Balier, parce que là sur le côté. Oh là là, ah, c'est chaud! C'est chaud! Ah, c'est chaud parce qu'il y a quand même avantage à Raika qui est en train de le mettre clairement dans la merde. Et premier round. Premier round pour Raika. Ouais, t'inquiète. Bah après il y a Breaker. Donc premier round hein. Premier round, tu connais Magical Drop Evie. Voilà. C'est les gros boobs qui gagnent. Généralement, plus le personnage a de gros seins, plus il a de chances de gagner. Et là clairement celui de gauche là, il voit dans la tête de son adversaire. Gentiment. On voit qu'il y a du bonbonné D. Ouais. Voilà. Il y a du 4 combos. Il y a du 4 hit combos. Pour l'instant, Balier qui est complètement Balier. À la ramasse. C'est Balier. C'est Balier qui est en train de perdre hein, à droite. Ah ouais. Ouais, il se fait lavementer. Il se fait lavementer. Violenter. Violenter. Violenter mes aiglons. Exactement. Ah ouais, putain, ça. Ah ouais, 6. Ah ça. Putain, alors, 8, donc, 9. Oh là là, Balier là. Voilà. Balier là, il fait gros mal. Combo. Alors, il faut savoir que dans le jeu, t'as pas besoin de faire des gros combos. Des fois, juste des 2-8 à la chaîne, ça fait autant de dégâts. Ah, dommage, il a gardé le bleu, il aurait pu le. Éliminé, alors petit combo sympa. Et ça va trop vite gros. Alors tu vois à gauche ça a renvoyé pas mal de glaçons. Ah ouais, de ouf, il y a eu des combinaisons à 6 ou 8. Voilà, tu as tous les glaçons. Il y a plein de glaçons là. Là c'est. Là c'est cadeau. C'est... Attention, oh, attention, attention celui sur le côté. De gauche. Sur le côté. C'est chaud. Oh hey, il a tenu gros, il a tenu. Il a tenu alors qu'il aurait dû mourir. Qui aurait cru qu'il tiendrait il quoi. Il aurait dû mourir en poule. Eh oui.
Et 1-0, un 1-0 pour... 1-0. Mais ouais, il n'y a pas de Big Boobs. 1-0 pour Aika. Elle est intuable dans le jeu, mec. Ça allait rendre tout le monde mais jouerait, ouais, mais tu vois, il joue en miroir, donc... Ah ouais, ah oui, d'accord. Ah, 1-0 pour Balier, d'accord, pardon. Ah, mais pourquoi je les ai inversés, moi? Bon, ok, 1-0 pour Balier. Ah, voilà. Ok, on se disait aussi, genre, le patron ouais, se fait bourrer. Genre, là, il a un coup de mou, quoi. P1, c'est Balier. P1, c'est Balier, ah oui, d'accord. Ah, mais l'autre en face, il blague pas non plus. Hein. Non, il est pas là pour... Il est pas là pour enfiler des perles. Il est venu avec 50 de ses frères à l'entrée. Il est pas venu avec 50 de ses frères, mais il est venu équipé quand même. Hein. Ah ouais, attention. Ah, il envoie. Alors là le match-up Balier, regarde comment il stack, regarde comment il envoie. Vert, bleu, putain, mec, ça s'enchaîne de ouais, vitesse. Magicienne, c'est des patterns qui sont assez, et là, assez simples. Il a la pierre magique, là. Là, il a choisi le vert, disparaître. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ah non, il n'y a pas eu la fin. Il a pas vidé, mais pas loin. Il a pas vidé. En face, regarde, là il prend là. Là non, il va manger. Là il va manger. Il fait les éclairs. Allez, il y a un counter là. Il y a un red pari. Il y a un red pari là-dessus. Ah ouais. À l'autre hey, en face. Hey. À l'adversaire ah, de voilà. Balier. Ah, mais voilà. Ah non, Balier qui est. Ah, il est chaud comme la Bresse. Il perd pas le rythme en fait. Il est tout le temps à 200 à l'heure, le bronze. Il a pas le temps quoi. Il fait pas d'erreur. Non, pas d'erreur. Il met pas un jeton en l'air, tac, c'est la fête. Le technicien, on l'appelle dans le milieu. Dans le milieu chez Decathlon, on l'appelle le technicien. Technicien. Le technicien en surface. Voilà. Il s'occupe des tentes. Et le municipal. Les écoutes des contrôles. Tout à fait. Voilà. Et donc là ça déroule bien parce que même si Raika se bat à droite hein, là clairement il essaye, il est en Mustang quand l'autre il est en deux chevaux tu vois moment ça pousse. Comme dirait l'autre ça pousse quand les clients et Daniel ça pousse et donc là bah voilà ça enchaîne 63 déjà au quota contre 101. Ça commence à être compliqué quand même. Oh mec le 7 line le 7 ah, le 8 line. Ah non il va le tuer mec. Il a retenu de la pédale, tu vois. Il a dit, je vais un coup, quand je suis qu'à la moitié de l'accélération, on voit déjà à tout là 120 km/h. Et donc là, c'est parti, peut-être balle de match pour Balier, donc. Balle de match pour Balier, peut-être. Voilà, déjà, qui envoie, il fait des éclairs partout. Ça brille dans tous les sens. Ah putain, il a contré Céline. En tout cas, il fait souvent gauche-droite, puis il récupère. Ah, bah terminé. Mec, ça va trop vite. Terminé. Ça va trop vite. Il l'a terminé. Donc, je vais laisser le micro à Balier. Raika, reste là, parce que tu vas rejouer encore. Voilà. Et moi, je relaisse le micro à Balier. Ah, sérieux? Ah là, mec, ça va être le feu. Ça va être le feu, là. Donc là, ça va, mon poteau. Bien. Bon. Eh ben, écoute, là... C'est une formalité. Hein, donc, c'est quoi? C'est la prochaine demi-finale. On est d'accord? Il a éteint ton micro. Je sais pas, on m'entend? Il a éteint ton micro. Non. C'est vrai! Bon, bah, même s'il a perdu son micro, ça passe. Donc là, c'est la première demi-finale, c'est ça que t'as fait? C'est ça. Et donc là, la deuxième demi-finale, c'est Keikun contre. Ah non, c'est la finale winner. Ah là, c'est la finale winner, d'accord. C'est la finale loser. D'accord, finale loser. Donc ça va opposer Keikun à. Contre Raf, on va dire. Raf, d'accord. Donc Keikun P1. Kekun P1, ok, très bien. Les Big Boobs, les Big Boobs. Ah voilà. Faut jouer ah, Nichon, je vous ai manqué, hein, ma petite voix imposante. Hein. Donc Kekun à gauche. J'ai cassé des décibels. Et je me souviens pas de son blaze. Le deuxième, Raf, à droite. Raf qui envoie du lourd, hein, déjà. Raf qui envoie du lourd, il vient de contrer. Kekun va profiter d'une boule arc-en-ciel, ce qu'il va l'utiliser. Non, pas encore. Il est en train de lui mettre la max, là. Là, il rentre doucement dans son cerveau. Il faut l'utiliser, voilà. Ah, mais il tient, oh là là, il y a une allez, Raph, on se laisse pas faire, il faut nettoyer. Ah là là, Carlos Lopez, prend le premier round. Carlos Lopez, on va l'appeler Carlos Lopez. Ah, Kéké qui va vite, mais l'autre en face, il blague pas, zéro, quoi. Allez Raf, il faut pas se laisser faire, il faut mettre tout en œuvre, toute ta formation chez le Valet Challenge, mon ami. On voit 8 lignes apparaître au-dessus d'un truc, on sait que ça va faire très très mal. Absolument. Ce sont les fameuses lignes d'attaque. Keikun qui remet un peu les couilles sur la table en disant voilà ici normalement c'est moi. Donc là il y a du world versus world, c'est un pattern assez compliqué à gérer. Pareil, il t'agresse du côté intérieur. Donc là pareil. Il enchaîne bien là les ce qu'on appelle les effacements mon cher Alex. Ah mais mec, ils vont trop vite. Ils vont trop vite, c'est un jeu pour de pas faire l'erreur, vitesse. Pas plus, là, ouais. Précision, vitesse, optimisation, c'est vraiment les maîtres mots de ce jeu.
Voilà, ça se tape, hein, ça se tape. Hein. Mais ça okay, déroule. Ok, voilà. Ça déroule les partitions avec la pose du DAB, le. Du distributeur automatique. Tue le DAB. Ah, ici, même sur Magical Drop, ça se tue, mais à la vie, à la mort. Pour l'honneur. Allez, voilà. Raph, te laisse pas faire. Il a déjà 5 lignes de plus à son adversaire, 4 millions plus. Aïe, aïe, attention, mauvais placement de produit. Il faut vraiment placer correctement. Chez lui. Ah, le contre-attaque, il laisse rien. Il laisse rien, ce vieux chien. Il laisse rien du tout à son adversaire. Allez, faut nettoyer, voilà. Faut nettoyer. Là, voilà, voilà, il n'y a pas d'erreur. Il y a encore une chance, on peut. Il faut faire les chaînes pour ne pas prendre les attaques. La 8ème étoile. Il faut faire gros. Les chaînes. La 8ème étoile est en train de briller. Là, il faut lâcher, continue. Voilà, là. La 8ème étoile, gros. Premier match. Premier match pour Keikun sur FT2. FT2, cher ami. FT2, donc 1-0 pour Keikun. Donc, c'est un donc on est toujours, oui, applaudissements, merci. C'est un mirror World versus World en fait. Là, le premier match, là, comme Raph a perdu, il va counter-pick, il repart sur un press, mais obligé. Ça va pas trop changer. La forme du pattern reste la même, mais c'est les attaques de couleurs et de boules de glace qui sont différentes. Trop mal. Allez, Raph, essaie de te ressaisir là-dessus, cher collègue, cher partenaire. Ah là, ça se tape. Ah, il a fait quasiment la max, Kéké. Il a quasiment fait la max en début de game. Il a des là, il a agressé. Ah, au départ, mec. L'agression. Il l'a tué. Au départ. Bazooka, bonsoir. Comment ça va? Il y a Evie qui. On nous dit bonsoir. Ah, Bazooka. Wow. Salut, Bazooka. Mec, ma gueule, elle va être trop fort. Là, on a allumé le micro, gros. Eh, Bazooka, gros bisous. Gros bisous. Je te fais un headbutt super derrière. Au dictateur du Nord, on va l'appeler, voilà, Bazooka, le dictateur du Nord. Gros bisous à toi, allez, mon ami. Allez, un partout. On est bien joué, là. Raph, allez, on t'encourage. Un partout pour Keikun qui a une défense devant. Qui a une défense, mais là avec Empress, c'est différent, mec. Les attaques, mais elles font tellement mal. Tu cleans un board. Ah là là, c'est tellement dur. Allez, Raph, lâche rien, il faut effacer. Lâche rien, mais Kéké, là, qui doit rien lâcher non plus. Là, allez, les rouges, les verts. Là, il faut dérouler la partition. Là, il faut vider un peu le board parce que ça va revenir très, très vite. Attention, Keikun. La pression, Keikun, ça se gère. Il était sous presse. Allez, Raph, on joue pareil. Allez, Raph qui clean quand même déjà bien son board, 4 lignes. Voilà, prochaine boule. Possible bel enchaînement chez Kéké parce que là. Voilà, les bleus, les jaunes, les rouges. Ouais, ça déroule la partition. Voilà, on clean le board. Donc, clean le board, on pack. On pack, allez, on pack doucement, mon gars. Aïe, attention, ça agresse. Voilà, tue-le, gros. Tue-le. Ça, c'est les contrats. Les contrats sur l'honneur. Les contrats sur l'honneur, on doit tuer. On doit tuer. Balle de match. Balle de match, les amis. Pour Keikun, première finale, balle de loser. Match. Donc, finale loser qui. Et le gagnant de ce tournoi-là affrontera Balier, donc le gagnant de la finale winner. C'est ça. Pour voir s'il reset le bracket. Alors, il y a reset bracket ou machin. S'il gagne. S'il gagne, il y a reset de bracket. Le pantalon braguette. Voilà. Donc là, serious business. Ah, Keikun qui déroule bien son jeu. Hein. L'autre, ça joue. Attention, l'agression. Putain, l'agression. Bien joué. Et à vous, cher ami. De Keikun face encore à Raph, qui a très bien joué. Raph, le ménestrel a frappé. Donc bah maintenant voilà la grande finale de Magical Drop 2. Parfait. Bah, y a un micro là. Bah, je vais garder le mien, c'est Covid friendly. Je garde mon micro. Passe le mic. Il a pris un petit coup dans la gueule là ces derniers temps, mais. Mais là, on est bien. Donc, finale, P1, on va avoir. P1, on va avoir qui? Là, il y a Janken entre les deux ou comment ça se passe? Il y a Janken entre les deux. Il y a qui? Hey, Keikun, il y a qui? Il y a quoi, là? La grande. Non, mais qui est à quoi? T'es P1, P2? Donc là c'est FT2. FT2 et possibilité. Ouais, mais je sais plus, moi, après, mec. Donc il va me falloir un spécialiste du versus en général, les resets de bracket, comment ça fonctionne si jamais ils veulent casser les couilles et qu'il y en a pas un qui se fasse laver en direct. Voilà, ça va se durer en FT2. Allez, la loi de la jungle, FT2, voilà, gentleman. Donc là, les deux, ils sont vénères. Donc Keikun à gauche, Balier à droite, on est d'accord.
Donc là, Kekun qui gère bien, mais les deux là, ils résistent bien. Là à droite, ça va très très vite. Ça va très 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 vite, mec. Allez, 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 tue-le, mec. Pour le haut couteau, la 8ème étoile. La 8ème étoile, mais là, il envoie. Là, les deux joueurs qui s'envoient, mais coup pour coup. Voilà, range tes trucs, voilà. Et là, le combo avec les rouges, lui, il va faire mal. Lui, il tue. Ah ouais, lui, il tue. Eh, c'était show time. Là, les mecs sont sur le fil du rasoir. Franchement, je vois des deux côtés. Ça range. Allez, faut ranger. Avant de faire un gros combo, faut ranger. Même s'il y en a que deux, c'est pas grave. Là, Kekun qui peut vider son board. Ah là, t'es trop lent, gros. Ah, les deux joueurs, là, ils sont au taquet. Allez, voilà. Ah, mais victoire. Victoire de Balier. Il a vidé ses pièces. Donc là, nous avons une victoire à l'usure de Balier. Mais la rapidité des gars, c'est des ouf, franchement. Donc Kekun qui a quasiment vidé son stage, mais là, il y a du très très lourd qui arrive devant Balier. 6 lignes, il prend le board adverse. Et là, c'est chaud. C'est très très chaud, mec. Voilà, on voit le compteur, en fait, des boules qui partent. C'est limite ça qu'il faut regarder, quoi. Celui qui va réussir à cleaner le plus rapidement. Les mecs, ils se renvoient coup pour coup. Avantage pour Balier. Mais là, la Kekun qui a vidé son board. Il y avait évidemment qu'un pas de pierre spécial. Mais là, techniquement, il n'a pas beaucoup de couleurs. Il ne peut pas faire de gros combos, en fait. Là, limite. Après, il y a le risque de faire. Voilà, il y a le risque d'amener des nouvelles lignes. Mais d'amener des nouvelles lignes, si le mec envoie son combo à ce moment-là et que vous foirez, c'est mort dans le film. Donc, voilà, Kekun qui se fait presser. Là, Balier, il a bien vidé son board. Là, Kekun, il doit faire du rangement. Mais il en renvoie. Voilà, le flux, et voilà. Voilà, il l'a eu à l'usure. Balier 1-0, 1-0 pour l'instant, donc enfin, 1-0 pour Balier. Donc là, ouais, c'est même plus un versus, en fait, c'est une course de rapidité. Le truc, c'est ça, c'est une course de rapidité à celui qui va être le moins tendu, à faire le moins d'erreurs, parce qu'en fait, en termes de gestion et tout ça, où c'est à la moindre erreur, il y en a un qui tombe, quoi. Alors on peut voir à droite, voilà, là il y a un bel enchaînement qui va se prévoir. Après c'est le risque de... Voilà, bah là, là il y a trop moyen, mais les mecs vont trop vite. Les mecs vont trop vite parce qu'ils stack. Donc là entre les deux joueurs, voilà c'est... Putain mais la course, la Balier, légère avantage, 46-64. En fait c'est la course. Voilà, Kéké, il faut qu'il accélère. Et il est trop long, mec. Là il est trop long, ma gueule, sur la reverb. Il est trop bon, il est trop long. Il va l'avoir à l'usure, mec. Ouais, voilà, c'est ça. Rapidité, voilà. Rapidité, mais c'est un truc de ouf. Les mecs, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Donc 1-0, enfin, ouais, 1-0 pour Balier. Donc là, balle, bah ouais, là, ça peut être des balles de match. Là, qu'est-ce que ça va jouer? Duel de Sun. Duel du soleil. Le soleil, l'amour. Ah ouais, les mecs, ils chargent. Les mecs, dès le départ, ils font descendre 4 lignes pour déjà d'entrée. D'entrée, ils veulent mettre la max, les deux. Mais là, voilà, c'est... Ah ouais, c'est à celui qui va aller le plus vite ou faire la première erreur, quoi. Donc là, Kekun qui entra. Oh là, la grosse pression de Balier. Balier qui tue son adversaire. Il a pas le temps, mec. Il a pas le temps, lui. Il a pas le temps. Ah, il a pas le temps. C'est soit t'es là, soit t'es pas là, quoi. Ah, fais de la muscule. Ah, lui, il fait pas de muscule, lui. Avec lui, c'est un magical drop tous les jours. Donc, muscule, cherche pas. Allez, là, Kéké, tu peux le faire. Donc là, Kéké, Kekun qui a encore pas mal, mais faut qu'il les range, en fait. Parce que plus ça va et plus il y a des lignes qui arrivent en face. Balier qui a juste à gérer sa zone, en fait, à continuer de ranger. Mais voilà, c'est à cleaner son board. Il clean son board, le gars. Le mec, il dérespecte, voilà. Mais Kekun qui défend bien, mais au score, s'il joue à la rapidité, en fait, si tu le rushes pas, le gars, c'est mort. Si t'as pas un moment où t'as un moment d'énervement et que tu le rushes, le gars, il va trop vite. Sur 2 minutes, il va trop vite, quoi. Ah non, mais c'est un truc de ouf. Regarde, 53, il t'a mis dans la vie. 53, mec, t'as pas le temps. Balle de match pour Balier dans ce tournoi Magical Drop 3. Qui aura vu des belles attaques, des belles défenses, un jeu formidable.
Mais Kekun qui a pas perdu. Il peut encore reset le bracket. Là, il envoie. Mais là, Balier, il a des mules. Je crois qu'il a fait descendre Balier. Il a pris un peu de rab. Il a dit, lui, il a un sac. Je fais descendre, mec. Je m'en bats les couilles. Je fais descendre des trucs. Mais c'est bon, 129, 110. Mec. Et là, t'as vidé ton board. Ah, mais fais descendre, voilà. Fais descendre. Mais la contre-attaque a fait tellement mal. Celle qui peut te mettre. Ah ouais, c'est ça. C'est faut oser remplir son board pour faire des gros dégâts et avoir des lignes chez l'adversaire, mais c'est une erreur et c'est fini quoi. Ah mais t'as pas le temps gros. T'as pas le temps. Ah lui il a pas le temps, il a faim gros. Ah là là. Ah là là, plus que 9. 49. 23. Ah là 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 gros. Ah ouais. Victoire de Balier. Grand vainqueur de Magical Drop 3. Ah mec, il va trop vite. Il va trop vite lui, cherche pas. Toi t'es là, ça pousse. Ah mec, là gros. Ah, magnifique. Donc là la suite ça va être Breakers je crois, si je dis pas de bêtises. Donc là, Breakers c'était quoi ton final? Tu vas gagner. Allez, ouais. Voilà, ça va se venger sur un autre jeu. Voilà, ça va se venger sur un autre jeu. On va switcher sur Breakers The Revenge pour le dernier tournoi de ce HFS Libond. Bonjour au Japon. Hein, bonjour au Japon. Bonjour aussi à ceux qui nous suivent au Québec. Oui. Hein, on a une grosse communauté à qui tous nous ceux, suivent au Québec. Bah, qui kiffent venir au Summer aussi voilà. Et puis qui n'ont pas pu venir parce que bien sûr. On bloque du temps, machin, mais les potos. On m'a dit, qu'il y a eu des gros joueurs québécois qui sont pas venus, s'il y avait trampoline. Là, il y a un Mexicain gros dans la place. Ah mais non, il y a un gars avec une Camille sur 2X. Ah j'étais pas prêt. Ah t'étais pas prêt. Ah j'étais mais pas prêt. Je crois du que tout, personne n'était prêt. Mais non, mais c'est ce que je me suis dit, personne n'était prêt. Même dans le milieu, personne n'est prêt, tu vois. Donc bon, en tout cas, un gros vous voit. Vous. Gros voilà, je pense aussi en profitant. À la Batcad, hommage à la Batcad. Voilà, hommage gros. À la Batcad, hommage à tous les events soir. De France et de Navarre, bien entendu. Vous, Alex, toute la fine équipe, Douvre, pour tout ça. Pour ce, alors, donnez-nous Virtua Tennis, fallait venir avant au Z. C'était tout à l'heure. Alors, j'en profite quand même pendant ce switch de jeu pour faire un coucou à Bazooka.